Par une nuit de tempête, à l'époque orageuse de la Révolution française, un jeune Allemand s'en revenait à son domicile sur le Tard, à travers les vieux quartiers de Paris. Les éclairs luisaient et de sourds grondements de tonnerre retentissaient dans les rues étroites. Mais il convient tout d'abord que je vous parle de ce jeune Allemand. Gottfried Wolfgang était un jeune homme de bonne famille. Il avait étudié à Göttingen pendant quelque temps, mais visionnaire et enthousiaste de tempérament, il s'était aventuré bientôt dans ces doctrines audacieuses et hautement spéculatives qui ont si souvent égaré les étudiants allemands. Sa vie retirée, son intense application et la nature singulière de ses études éprouvèrent à la fois son esprit et son corps. Sa santé était faible et son imagination maladive. Il s'était adonné aux spéculations abstraites sur les essences de l'esprit jusqu'à se bâtir, comme Swedenborg, un monde imaginaire au-dessus du sien propre. Il s'était confirmé, je ne sais où, dans l'impression qu'une influence maligne pesait sur lui, qu'un mauvais génie ou quelque esprit du mal cherchait à le prendre au piège et à assurer sa perdition. Cette idée, travaillant dans son caractère sombre, produisit sur lui le plus fâcheux effet. Il devint hagard et pessimiste. Ses amis, comprenant qu'il était en proie à quelque maladie mentale, décidèrent que le meilleur remède serait un changement d'atmosphère. On l'envoya donc finir ses études parmi les splendeurs et gaietés de Paris. Wolfgang arriva à Paris au début de la Révolution. Le délire populaire séduisit tout d'abord son esprit enthousiaste, et les théories politiques et philosophiques de l'époque le passionnèrent. Mais les scènes sanglantes qui devaient suivre heurtèrent son naturel sensible, le dégoûtèrent de la société et du monde, l'encourageant plus que jamais à mener la vie d'un reclus. Il se retira dans un appartement solitaire du quartier latin, ce fief des étudiants. Et c'est là, dans une rue sombre, non loin des murailles austères de la Sorbonne, qu'il poursuivait ses spéculations favorites. Il lui arrivait de passer des heures entières dans les grandes bibliothèques parisiennes, ces catacombes pour auteurs défunts, fouillant dans leurs vieilles réserves poussiéreuses, afin de satisfaire à son morbide appétit. Il était, en quelque sorte, une espèce de goule littéraire se repaissant au charnier de la littérature défunte. Solitaire et reclus, Wolfgang était néanmoins d'un tempérament fort ardent qui se dépensa pendant un certain temps dans sa seule imagination. Il était trop timide et trop ignorant des choses de ce monde pour faire des avances au sexe faible, mais il admirait passionnément la beauté féminine et bien souvent dans sa chambre retirée. Il se prenait à rêver aux formes et aux visages rencontrés. Et son imagination les parait de charmes et de perfections qui surpassaient de beaucoup la réalité. Quand son esprit s'excitait et s'exaltait de la sorte, un rêve lui revenait toujours qui produisait sur lui un effet extraordinaire. Le visage féminin qui lui apparaissait était d'une transcendante beauté et l'impression produite était si puissante qu'il ne pouvait s'en défaire. Ce visage hantait ses pensées le jour aussi bien que son sommeil la nuit. Et il devint en réalité passionnément amoureux de cette irréelle figure de rêve. Ce sentiment prit une telle importance en lui, et perdura si bien, qu'il devint une de ces idées fixes qui hantent les esprits des hommes mélancoliques et qu'on prend parfois pour de la folie. Tel était Gottfried Wolfgang et tel son état au moment où commence ce récit. Il s'en revenait donc chez lui, une nuit d'orage, par les vieilles et sombres rues du Marais, le plus vieux quartier de Paris. Les sourds grondements du tonnerre faisaient trembler les rues étroites et les hautes maisons. Il déboucha sur la place de Grève, où se font les exécutions publiques. Les éclairs crépitaient sur les hautes tours du vieil hôtel de ville et leurs lueurs incertaines éclataient sur la place. Il recula d'horreur en se trouvant soudain tout près de la guillotine. C'était au plus fort du règne de la terreur, et l'affreux instrument de mort, toujours dressé, ruisselait continuellement du sang des braves et des justes. Le jour même, il avait été employé activement à son œuvre de carnage, et il demeurait là, dans son sinistre appareil, au cœur de la cité silencieuse et endormie, dans l'attente de victimes nouvelles. Wolfgang sentit son cœur se soulever et, frissonnant, se détournait de l'horrible machine
quand il aperçut au pied des marches qui menaient à l'échafaud une silhouette accroupie. Plusieurs éclairs violents et rapprochés lui permirent de la mieux distinguer. C'était une forme féminine vêtue de noir. Assise sur une des dernières marches de l'échafaud, elle avait le buste penché en avant. Son visage était enfoui entre ses genoux et ses lourdes tresses défaites traînaient sur le sol, ruisselantes de la pluie qui tombait à torrents. Wolfgang s'immobilisa. Il y avait quelque chose de terrible dans ce solitaire monument de détresse. La dame donnait l'impression d'appartenir à la haute société. Dans ces temps pleins de vicissitudes, il ne l'ignorait pas, plus d'une belle tête habituée naguère aux douceurs du duvet ne savait plus aujourd'hui où reposer. Sans doute était-ce quelque malheureuse veuve que l'effroyable couteau avait soudain désolée et qui se tenait là prostrée, le cœur brisé, sur le bord de cette existence d'où venait d'être retranché et jeté dans l'éternité tout ce qui lui était cher. Il s'approcha et lui adressa la parole sur un ton de profonde sympathie. Elle releva la tête et le fixa d'un air égaré. Quel ne fut pas alors l'étonnement de Wolfgang en apercevant, dans la vive lueur des éclairs, le visage même qui hantait tous ses rêves. Livide et désespéré, et cependant d'une beauté ravissante. Tout agité de sentiments violents et contradictoires, il l'aborde à nouveau en tremblant. Il s'étonne de l'avoir exposée ainsi à une heure si tardive de la nuit dans la furie d'un tel orage et offre de la reconduire chez ses amis. D'un geste horriblement significatif, elle lui montra la guillotine. « Je n'ai plus d'amis sur terre, » dit-elle. « Mais vous avez une demeure, » dit Wolfgang. « Oui, dans la tombe. » Le cœur de l'étudiant s'émut à ces mots. « Si un étranger, » dit-il, peut oser une offre sans courir le risque d'être mal compris, je me permettrai de vous proposer mon humble demeure pour abri, et moi-même pour votre ami dévoué. Je suis moi-même sans ami à Paris et étranger dans ce pays, mais si ma vie peut vous être de quelque service, elle est à votre disposition et sera sacrifiée avant que vous soit fait aucun mal ou aucune offense. » La gravité fervente qui marquait les façons du jeune homme produisit son effet. Son accent étranger, de même, parlait pour lui, l'isolant en toute évidence de la banale collectivité des Parisiens. De plus, le véritable enthousiasme possède une éloquence qu'on ne peut récuser. La désolation de l'étrangère se remit implicitement sous la protection de l'étudiant. Il supporta ses pas chancelants pour traverser le pont Neuf et la place où la statue de Henri IV avait été jetée bas par la populace. L'orage s'était calmé, on entendait le tonnerre rouler au loin. Tout Paris reposait. Le grand volcan des passions humaines sommeillait pour un temps, refaisant des forces nouvelles pour l'éruption du lendemain. L'étudiant conduisit sa protégée à travers les vieilles rues du quartier latin, longea les murs sombres de la Sorbonne et parvint au très misérable hôtel où il avait son appartement. Le vieux portier qui leur ouvrit manifesta une certaine surprise en voyant le mélancolique Wolfgang en féminine compagnie. En ouvrant sa porte, l'étudiant rougit pour la première fois de la pauvreté et de la banalité de sa demeure. Elle ne comptait qu'une chambre, un salon à l'ancienne mode, orné de lourdes sculptures et meublé d'une façon extravagante des restes de son ancienne splendeur. Il s'agissait en effet d'un de ces hôtels voisins du Luxembourg qui avait autrefois appartenu à la noblesse. La pièce était encombrée de livres, de paperasses et de tout l'attirail ordinaire de l'étudiant. Le lit occupait dans un angle une espèce d'alcôve. Lorsqu'on eut apporté la lumière et que Wolfgang put tout à loisir contempler l'étrangère, il se sentit enivré par sa beauté plus que jamais. Son visage était pâle, mais d'une blancheur éblouissante, rehaussée par une profusion de cheveux noirs et denses qui l'auréolaient. Ses grands yeux étincelaient, avec dans leur expression quelque chose d'étrangement hagard. Ses formes avaient une harmonie parfaite, pour autant que la robe noire permettait d'en juger. Toute sa personne avait un cachet de noblesse, malgré la simplicité extrême de sa mise. La seule chose qui ressembla à quelque parure dans tout son vêtement était le large ruban noir qu'elle portait au cou, retenu par une agrafe de diamants.
Cependant, l'étudiant ressentait quelque embarras quant aux dispositions à prendre pour recevoir convenablement l'être abandonné qu'il avait pris sous sa protection. Il pensa à lui laisser sa chambre et à aller chercher pour lui-même un autre abri, mais il était si fasciné, son esprit et ses sens étaient sous un tel charme qu'il ne pouvait s'arracher à sa présence. Son attitude à elle aussi était surprenante et singulière. Il n'était plus question de la guillotine. Sa douleur même semblait apaisée. Les attentions de l'étudiant, qui avait tout d'abord gagné sa confiance, avaient apparemment gagné aussi son cœur à présent. Passionnée comme lui, elle l'était très évidemment, et les passionnés se comprennent vite entre eux. Tout à l'ivresse du moment, Wolfgang lui déclara sa passion. Il lui raconta l'histoire de son rêve mystérieux et comment elle s'était emparée de son cœur avant même qu'il ait eu l'occasion de la voir. Étrangement émue par son récit, elle reconnut s'être sentie attirée vers lui par une force également inexplicable. L'époque était toute à l'audace pour les idées comme aussi bien pour les actes. On s'était délivré des anciens préjugés et des vieilles superstitions. Tout passait maintenant sous le sceptre de la déesse Raison. Et dans tout le fatras de l'Ancien Régime, les formes et cérémonies du mariage semblaient superflues aux esprits les plus honorables. La mode était aux contrats sociaux. Et Wolfgang était un théoricien trop accompli pour ne pas se faire le reflet des doctrines libérales de l'époque. Pourquoi nous séparer? Dit-il. Nos cœurs sont à l'unisson. Aux yeux de la raison et de l'honneur, nous ne faisons qu'un. Est-il besoin de viles formules pour accomplir l'union de deux hautes âmes? L'étrangère écoutait avec émotion. Elle avait évidemment reçu les lumières de la même école. Vous n'avez ni demeure ni famille, poursuivit Wolfgang. Laissez-moi être tout cela pour vous, ou plutôt, soyons tout l'un pour l'autre. Si la forme est nécessaire, alors nous l'observerons. Voici ma main. Je m'engage à vous pour toujours. Pour toujours? Demanda gravement l'étrangère. Pour toujours et à jamais, répondit-il. L'étrangère saisit la main qu'il lui tendait. Alors je suis à vous, murmura-t-elle, et elle se laissa aller sur la poitrine du jeune homme. Le matin suivant, l'étudiant laissa dormir sa jeune épouse et sortit à la première heure pour chercher un appartement plus spacieux et plus conforme à ce changement de situation. À son retour, il la trouva allongée sur le lit, la tête rejetée en arrière sous son bras. Il lui parla, mais ne reçut point de réponse. S'avançant pour la réveiller et la tirer de cette inconfortable position, il lui prit la main. Mais cette main était froide et inerte. Son visage était livide et dur. En un mot, ce n'était plus qu'un cadavre. Saisi d'horreur et d'épouvante, il jeta l'alarme dans toute la maison. Une scène de confusion s'ensuivit. La police fut convoquée. Mais comme l'officier de police pénétrait dans la chambre, il tressaillit à la vue du cadavre. « Grand Dieu !» s'exclama-t-il. « Comment cette femme est-elle parvenue jusqu'ici ?»« Vous la connaissez donc ?» questionna Wolfgang avec précipitation. « Si je la connais !» s'écria l'officier. « Elle a été guillotinée hier !» Il s'avança, défit le noir collier du cadavre et la tête roula sur le sol. L'étudiant se prit à hurler dans un accès de délire. « Le démon, c'est le démon qui s'est emparé de moi! Je suis perdu à jamais !» On essaya, mais en vain, de l'apaiser. L'effroyable conviction qu'un esprit démoniaque avait ranimé le cadavre pour sa seule perdition s'était emparée de lui. Il tomba dans la démence et mourut dans une maison de fous.